Salut les résilients et bienvenue sur Phare, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une autre vidéo droite au but avec une recette d'hiver réconfortante. Et cette fois-ci, en plus de faire les comptes carbone, nous allons nous pencher plus attentivement sur le ratio carbone par euro dont nous avions parlé dans une vidéo précédente. En effet, depuis plusieurs semaines, les prix des énergies et des matières premières flambent. La thématique du pouvoir d'achat a donc pris le devant de la scène dans la course présidentielle. Alors nous allons nous poser la question suivante. Bas carbone peut-il rimer avec petit prix? Voyons ça tout de suite. Concernant l'intensité carbone, on s'aperçoit que la courge et le fenouil sont parmi les plus émetteurs. Par conséquent, à moins que ce soit une affaire de goût, on pourra plutôt favoriser les oignons. Les prix ajoutés à titre indicatif sont issus d'une épicerie parisienne. Il y a de fortes chances que vous puissiez trouver de meilleurs rapports qualité-prix. Lorsqu'on additionne le total des émissions de tous les ingrédients, on arrive à un peu plus de 550 grammes, pour environ 7,30 euros. Au final, nous obtenons environ 815 grammes d'émissions pour environ 7,50 euros. Et donc par portion, c'est aux alentours de 136 grammes pour 1,25 euros. Nous pouvons donc calculer le ratio carbone par euro. Et en l'occurrence, nous arrivons à environ 109 grammes par euro. Cela signifie donc que pour chaque euro investi, c'est environ 100 grammes de CO2 qui sont émis. Par comparaison, dans un repas carné de type bœuf, c'est l'émission d'environ 3500 grammes par euro. On voit que la différence est donc d'un facteur 30 au moins. Eh bien, j'espère que vous apprécierez cette recette. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper une nouvelle vidéo. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. À très vite.